Ok, vous allez être choqués. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Là, je voulais vous montrer la torture du matin. Voilà, j'ai acheté ça en fait. C'est clairement un glaçon. Et je me brûle la peau tous les matins avec ça. Non, franchement, blague à part, ça marche super bien. Ça réveille un truc de fou, vraiment. Coup de fouet assuré. Et sur le long terme, on est censé avoir un très très joli grain de peau. Et franchement, je commence déjà à avoir des résultats. Et après tout ça, ce matin, j'avais un petit peu de temps. Donc, je me suis mis un masque en tissu. Et je me suis mis aussi des patchs pour les contours des yeux. Tout ça à la vitamine C. Bien évidemment, qui dit avoir du temps et puis surtout un masque à laisser poser, dit ranger la vaisselle parce que Basma n'est toujours pas organisée. Donc voilà, je fais un petit peu mon petit ménage le matin et ensuite, c'est parti, on va commencer cette journée qui est franchement pleine de surprises. J'ai reçu un colis et je crois que ça va vous intéresser. C'est parti. Alors moi, je ne fais pas partie, mais genre pas du tout, de ceux qui vont dire oh, « Je comprends pas, moi j'achète une robe, elle achète la même. » Pas du tout. Si je suis sur YouTube, d'ailleurs, vous l'avez compris, je partage de bon cœur. Franchement, si on est 15 000 à être habillés pareil, ça ne me dérangera pas du tout. Au contraire, je serais même fière. Voilà, voilà. Donc dites-moi si vous êtes du genre à être comme ça ou pas du tout. Mais ceux qui sont sur YouTube et qui sont comme ça, je ne comprends pas. Premier élément, les chaussures. J'ai là les petites chaussures et la tenue pour Anna et moi. Donc, a mother and doctor. Dites-moi si vous avez la rêve. Alors, pour commencer, je vais vous montrer la petite robe d'Anna. Et je pense qu'elle va vous spoiler un peu la mienne, mais... En tout cas, sur le site, elle avait l'air incroyable. Donc, comme vous avez pu le comprendre, ça vient de Shein. Ce n'est ni une collaboration, ni rien du tout. J'ai payé ces articles et en plus, devinez quoi? Mon propre code n'a pas marché. Parce qu'en fait, il était valable. Pensez, on a une petite robe comme ceci, avec des plumes au niveau des manches. Elle est vraiment trop belle. Et c'est pas trop un style old money, ça? Si. Elle est trop mignonne. Ma fille a les cheveux super longs, donc on va pouvoir lui faire un énorme bun. Et voilà, ça va lui aller à merveille. Et avec ça, j'ai pris des petits collants. Donc ça, c'était un lot. Je vais lui mettre des collants beige avec, je crois que c'est des petits lapins et des petits points. Mais genre, il est bien transparent. En noir, en blanc, en rose et en beige. Et pour la tenue, vous l'avez compris, mais ça va être le beige. Hop, cela. Tant qu'à faire, je vais vous montrer toute la commande. Hein. Je lui ai pris aussi cette robe parce que je la trouvais trop mignonne. Vraiment trop belle, avec un énorme nœud. Voilà. Hop. Ah, attendez, je vais vous montrer ses chaussures. Attendez. Et voilà. Elle va être canon, cette enfant. Elle va être canon. D'ailleurs, ses chaussures, elle va les porter aujourd'hui aussi parce que vous allez voir juste après, je vais la ramener de l'école. Ce midi, elle mange avec moi. Et elle va porter une jolie robe pour son carnaval. Je vous laisse la surprise du coup sur la robe qu'elle va porter. Ça va être une robe de princesse, évidemment. Princesse Disney. Donc les petites chaussures, trop belles. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Hein. Hop. On est bon concernant Anna. Alors pourquoi je vous dis qu'on sera assortis? Déjà la couleur, c'est la même. Hop. Attention. Ah, j'ai craqué sur la robe quand je l'ai vue. Je me suis dit mais non. Et en plus, elle fait moins de 20 euros. Autant vous dire que c'est donné. Alors première chose que je remarque, c'est que le tissu il ne froisse pas de ouf. Ça, pépite. Alors, est-ce que vous êtes prête? La meuf qui fait du suspense. Vous êtes prête? Attention. Elle est pas ouf. Elle est incroyablement belle. Elle est trop belle. Et en fait, le petit rappel, c'est les manches avec des plumes. Voilà, voilà. Enfin des plumes ou des poils, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est comme ça. La robe, elle est juste incroyablement belle. Elle est vraiment trop belle. Et bien sûr, je vais la porter. Hein. Et avec ça, j'ai pris bien évidemment les chaussures. Of course. Je pense que vous avez dû comprendre, mais je suis dans ma période nœud pape. Donc forcément, nœud pape. Oui, nœud papillon quoi. Forcément, les chaussures ont un petit nœud. Avec des perles comme ça. Trop jolie. Le talon, il n'est pas très haut. Donc je pense qu'il sera agréable à porter. Et puis voilà. Je pense qu'il ne me reste plus que le try-on. Est-ce que vous êtes prête? Vous n'êtes pas prête du tout, meuf. Regardez-moi cette beauté. Ah, je suis trop contente. Oh, mais. C'est trop beau. Donc voilà la robe portée. Pour les petites, en plus, c'est parfait parce qu'elle ne traîne pas du tout, vraiment. Par contre, pour les grandes, je pense que ça va être un peu juste. Elle est incroyablement belle. Peut-être que je mettrai une gaine. Parce que forcément, je vais un peu manger et mon ventre ne risque pas d'être aussi plat que quand je suis jeune, forcément. Mais
Waouh, la beauté. Imaginez avec ma fille là. Oh mon Dieu. Ah oui, mon fils. Ne vous inquiétez pas, sa tenue elle arrive. Il y a bien de chichine aussi. Il va être trop trop beau. Le jour, ça va être trop beau. Vous n'allez pas en revenir, mais sa tenue, incroyable. Bref, là, je vais vous avouer un truc, c'est que je n'ai pas du tout pris la tenue mystère. Et franchement, ça se fait pas. Faut pas être tous bien habillés, à part le papa. Genre, non, non. Il faut absolument que je le convainc d'aller chercher une tenue. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on ira demain ou quoi. Faire un petit tour chez Zara, toutes ces petites boutiques là, puisque lui quand il commande il aime pas du tout. Voilà, il est très 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 strict hein. Là les règles de faut que ce soit bien taillé machin pour lui il va acheter ailleurs qu'en magasin pour qu'il puisse essayer. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis in love. C'est absolument ça la tenue de l'Aïd hein. C'est, là, c'est même pas de l'avant-première, c'est pas du teasing, c'est du reveal. Pas de surprise pour la hit, je porterai cette fois. Voilà, voilà. Donc elle est un peu cintrée à ce niveau-là, mais en fait elle est cintrée sur tout le long. Je sais pas ce que vous avez en pensé, mais avec une petite gaine là, bien tout aspirée, on sera parfaite. Bon, bah écoutez, faut pas être en retard, je vais vite me changer. Il va falloir que j'aille chercher ma fille. Qu'est-ce que tu veux? Ah bah non, mais tu veux du maquillage? Oui. Attends, tu te tournes comme ça on met correctement la robe. Waouh, elle est belle. Hein. Ah, on a oublié ça là. Attends, on a oublié les manches. Ok. Ah. Attends, on va les voir. Trop belle. Bon, tu tournes. Tourne. Oh là là, ma poupée. Maman, oui. Oui, la tête. C'est quoi? La couronne. Tu veux la couronne sur la tête? Mais maman, elle va te coiffer d'abord, ok? Tu t'assois, madame la princesse? Allez, assieds-toi, maman, on va chercher le maquillage. Je sais que t'aimes pas. T'es une petite fille, mais à moitié. Voilà. C'est bon. Moi, wow. Comment comme t'es belle? Attends, on met la couronne. Et toi? Hop, c'est pas le maquillage. On va ramener du petit fer à jour. T'es contente? Oui, pas de yes. Attends. Oh là là, quelle est belle. On met ça? Pas yes. C'est le rouge à lèvres. Je sais pas. Tu fais comme ça? Ma beauté. T'aimes trop le maquillage, toi, comme maman. Ouais, je veux. Debout les lèvres, viens, on montre à la caméra comme t'es belle. Oui, vas-y, va là-bas, on va prendre la photo. Oh là là, elle est trop belle. Oh waouh. Maman? Oui. Tourne pour voir la coiffure. Waouh. Allez, tourne encore, tourne. Waouh. Ma didoune, je viens de la déposer. Elle était trop mignonne dans sa petite robe rouge. Là, c'était un spectacle de mignonnerie. Tous les petits, ils étaient tous déguisés. C'était trop mignon. En plus, ils sont petits de taille. C'est trop joli. J'ai trop aimé. Vraiment, je suis restée là-bas, genre, bien une demi-heure avec tous les parents à regarder comme ça nos progénitures et me dire qu'est-ce qui sont en beau. Ah mon Dieu. Je vous ai pas dit, mais là je suis en voiture parce que je suis devant chez Grand Pré. J'ai plus de pois chiches pour ma Hela. Et une Hela sans pois chiches, je pense pas que ce soit ouf. J'avoue, j'ai essayé, c'est pas ouf. Voilà, vous avez la réponse. Ah, je pense que je devrais y aller, sinon je vais rester ici encore longtemps à scroller sur TikTok. Go!
pas trouvé de pois chiche. Enfin, si, il y en avait, mais que le gros calibre, et ça, j'aime pas. Donc, je vais aller voir ailleurs. C'est il y en a. Let's go! Oh! Regardez ce que j'ai trouvé. Et j'en fais le stock, bien sûr. La marque ne doit pas vous dire grand-chose. Mais regardez, l'intérieur. Concentrez-vous sur... Mais ça, c'était toute mon enfance! Oh mon dieu. Eh ben, il y en avait trois. Du coup, j'en ai pris trois. Voilà. En fait, c'est un trio avec, vous savez, pour le goûter, le jus, les petits bâtonnets et le petit chocolat. Donc, ouais, je suis trop contente. Ah là là, je suis trop, trop contente. Juste arrivé à kiffer. Allez. Bon, mais il n'y a pas de... Ah oui, il n'y a pas de pois chiche. Donc, on va aller voir encore ailleurs. Let's go. Let's go. Je l'ai enfin trouvé. Si vous avez comme moi des pois chiches secs pas trempés la veille et que vous en avez besoin là maintenant tout de suite, je vais vous montrer une technique pour faire comme si c'était trempé la veille en max, hein, 10 minutes. Prenez votre cocotte minute. Voilà, moi c'est le multicuiseur de chez Lidl. Ça marche très très bien. De l'eau froide, c'est important. Hop, on verse de l'eau froide. Regardez qui vient de rentrer. Les amis, ouais, comment ça va? Moi je vais bien. On va aller chez Zara ou on attend demain? Oh, tranquille. Franchement, on devrait y aller. C'est beau, attends demain, il pleut, c'est dégueulasse. Ça me donne même pas envie de sortir. T'as vu là? Non. T'as vu l'heure? Non. T'as pas vu l'heure, hein? Non. Eh ben, regarde-la bien. Non, c'est vrai. Là, ça va, on a le temps, on peut y aller. Ouais. YOLO! Là, tu sens la trentaine arriver, là. J'ai jamais dit de ma vie YOLO. Oui, arrête. Toi, tu devais dire YOLO tout le temps. Non, pas du tout. Hop, alors. YOLO! Mes pois chiches, mon eau, c'est check. Je vais porter à ébullition ma petite marmite et une fois qu'elle bout, je ferme, donc je la mets sous pression pendant 5 minutes. C'est tout. C'est tout. C'est littéralement tout. Allez, démarrer. YOLO. On y va. Mais pourquoi t'as tout coupé? Parce que moi, tu sais qu'il y a des minuteurs. Ouais, je sais. T'as pas reçu ton micro encore? Non, bon enfant. Non, tu devais le recevoir aujourd'hui. Non, je dis. Attendez, on est sorti pour aller voir la tenue de Mister. Et là, le truc, c'est que je suis devant IKKS, il me dit vas-y, c'est vide, c'est mort. Si c'est vide, ça veut dire c'est pourri. Attendez, je vous montre juste la devanture. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On n'entrait jamais dans un magasin vide. C'est tout? C'est malaisant de ouf. Mais je te jure, juste tu essaye. Tu rentres, la dame, elle te parle direct. Ouais. Et puis après, tu te sens gêné, t'as envie d'acheter juste pour lui faire plaisir. Alors que. Bon, ben bah, viens, on avance pour regarder les prix. Viens, on avance, on va regarder les prix. Ok. Une veste à 300 euros. Je vais chez Zara, j'achète de quoi m'habiller tout l'été. Ah, c'est vrai. Non, Zara, mais c'est vrai que c'est des prix qu'on a au outlet de Boss, ça. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, autant acheter du Hugo Boss, quoi. Ouais. Bref, on va aller chez Zara. Let's go, Zara. Ah oui, et du coup, je te disais. T'aimes pas? Non. Ah, t'as regardé un peu? Bah, c'est des jeans. Elle est ferme. Allez. Bon. Ouais, non, le pantalon. Ça va pas, hein? Non, le pantalon, il est trop grand. Le haut est bien. Vous me voyez là? Regardez le haut. Il est très beau le haut. Pas mal, hein? Ouais. Allez, par contre, le bas. On dirait que t'as mis le pantalon de quelqu'un qui fait 4 fois ta taille. T'as vu? Et... C'est bien là, non? T'aimes bien? Franchement, ouais, de haut. Elle passe bien la tenue? Trop. Moi j'aime trop. Est-ce que vous aimez? Moi j'aime trop. Hein. Peut-être avec des chaussures, c'est mieux quand même. Si vous aimez, vous dites oui en commentaire. Et puis si vous dites non, on changera ça demain. Très très vite. Bah oui, si tout le monde... Bah oui, on ramène ça. Oh oui, si tout le monde dit non. Donc si vous aimez, vous mettez oui. Si vous aimez pas, vous mettez non. Mais moi, je dis que c'est les chaussettes qui font tout. Ouais. Bon, montrez-moi
ce que tu as réussi à choper. Ce que j'ai acheté, regardez. Et 3 tickets de tombola. Non, il y avait une association qui, en gros, qui faisait des trucs pour les enfants autistes. Et ils font une tombola, il leur restait 3 tickets, du coup, on l'aura pris. Et parmi les volontaires de cette association, il y avait une jeune qui me regarde. Et du coup, c'est parce qu'elle m'a reconnue justement qu'on s'est arrêté sur le stand. Sinon, on l'aurait jamais vu, donc je la remercie. Ça te fait comment de voir des gens qui ont genre au moins plus de 10 ans de moins que toi? Le pire, elle m'a dit, j'ai commencé à te regarder. Tu montrais pas Mister. Je lui dis, me dis pas, t'étais au collège. Elle m'a dit si. Je dis, oh putain, le coup de vieux que je viens de prendre. Primaire, ouais. Je lui dis, putain, le coup de vieux. Elle était limite au primaire. Ouais, je pense. Tu te rappelles ou pas quand on allait, genre, quand on. Des fois, il y avait des gens qui nous reconnaissaient, ils nous disaient, genre des mamans qui regardent avec leurs filles. Ouais. Et je me dis, leurs filles, quand elles vont grandir, qu'elles vont te croiser, elles vont te dire, ah, mais je te regardais quand j'avais 6 ans. Ouais, putain. Et là, tu vas te dire, attends, mais je suis vieille, en fait. Je te jure, et là, y a pas meilleur moyen de prendre un coup de vieux. Devinez quoi, en fait, j'ai oublié les petits trucs là que je vous ai montré tout à l'heure dans notre enfance avec la petite, le petit côté jus et tout. Je les ai oubliés à la maison. Et Mister, il m'a dit non, no way, on va aller les racheter. C'est parce qu'en fait, moi, quand elle me les a montrés, je sais pas si vous, ça vous le fait avec vos enfants, mais non, vous parlez d'enfants. Qu'est-ce qu'on est devenus. Jurée, ouais. Déjà, on va commencer par se dire bonjour. Voilà. Et plus de hey. Ou salut les gars. Ou salut. Ouais. Non, maintenant c'est des bonjours. Voilà. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus. Bonjour, comment allez-vous? On va se vous voir. Voilà. Déjà, dans les commentaires, arrêtez de dire tu. Voilà, vous voyez-moi, s'il vous plaît. Je suis une daronne. Non, on est des adultes maintenant. Non, mais sérieux. En fait, j'ai trop imaginé Heidi et Anna, puis vous êtes dans le truc. Ouais, et tout, comme nous quand on est. Et je me suis dit, ah, j'ai trop envie de le voir. Mais là, on pourra pas le voir, là, parce que tu les as oubliés. Du coup, on a le temps, au pire des cas, on repasse à la maison, parce que je suis quasi sûre qu'ils en ont pas. On est à côté de Aldi. Ouais, on va y aller. Oui, parce que je les ai trouvés chez Aldi. Aldi, c'est la vie, en vrai. Il y a que qui vendent ça. Ouais. Que ils s'en foutent de l'écologie, du plastique, ils se disaient, Aldi, tant que ça se vend, on vend. Et ce qui devait arriver, arriva. Il y en avait pas. Voilà, c'est pas grave, on va rentrer à la maison. On va voir si on a le temps, en fait. Il faut qu'on arrive à la maison à 1h30. Il est 19. Je vous tiens au jus. Bon, je vous avais dit que je vous tenais au courant. Il est 16h33. Allez, on y va. Ouais, je vais chercher. Je vais faire demi-tour. Le petit jus, ouais. Pour les enfants. Attention, tu te salis pas, Anna. Back home. Je suis en train de faire ma hela. Mon pois chiche est prêt. Je vais congeler tout ça, j'en ai déjà mis dans ma cocotte. Cette hela sympatoche mais rapide. J'ai tout mixé là-dedans. Et je vais laisser cuire. Sous pression. Je vais boire de l'eau, ok. Ça a tout le coup. Ça a les bottes comme.
Et vous, vous dites comment? Sahabtoukoum? Oui, Sahabtoukoum. Et bonjour! Non, 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 non. C'est pas un nouveau vlog, je vous reprends du coup pour clôturer, on est forcément le lendemain. Hier, je me suis écroulée comme une petite, un petit caca. Voilà. Là, aujourd'hui, on est mercredi, je vous reprendrai juste après peut-être pour vlogger. Maman. Donc ça dépendra de vous. Si vous voulez un nouveau vlog, écrivez-moi Maman. Vlog. Et puis j'essaierai de m'activer, de faire ça. Du coup, question du jour, bonjour. Voilà, je vous ai mis un petit post hier, que vous voyez juste ici. Et du coup, je vais répondre à quelques-unes. À deux de vos questions et je vous invite à poser toutes vos questions, comme ça on y répondra dans le prochain vlog. Alors, la première question, est-ce que vous allez retourner en Tunisie? Alors on devait y retourner, là c'était prévu, là. Mais on s'est pris tellement en retard que pendant la période de l'Aïd, c'est booké, c'est overbooké en fait, c'est juste plein, voilà, absolument plein et pas de place pour nous. Donc c'est pas grave, mais on aimerait bien y retourner, oui. Et la deuxième question, attendez, je vais y aller, je vais aller sur le post, hop, j'ai mis un post sur la rubrique communauté de YouTube. Hop. Peux-tu nous parler de ton expérience d'extension adhésive? Ah bah franchement, moi j'ai passé, enfin c'était bien, j'ai rien de dire de bien spécial, voilà, j'ai bien aimé, j'avais envie de cheveux longs, ça m'a satisfait mon envie, ça m'a pas abîmé les cheveux et j'ai juste l'impression d'avoir énormément perdu en masse, donc vraiment je vous le conseille pas sur ce point là parce que vous allez avoir l'impression d'avoir des cheveux très très fins une fois que vous allez les enlever, ben en fait c'est pas réel puisque ben, vous partez d'extension, donc vous avez une énorme touffe de plus. Et quand vous enlevez vos cheveux, vous avez l'impression que vos cheveux d'avant, les extensions, c'était plus épais. Alors que ce n'est pas spécialement le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça risque de vous choquer un petit peu. C'est même ultra choquant, pour vous dire la vérité. Mais à part ça, rien. Rien de bien spécial. Voilà, voilà. Bah, écoutez, si vous avez regardé le vlog jusqu'ici, n'hésitez pas à m'écrire bleu, voilà, ou robe. Ah, robe. Robe en commentaire. Et moi, je vous retrouve très très vite dans un prochain vlog.